une date. Tu te rends compte? Ton thé est froid, Robin. Non, mais la vie des gens tient une date sur un calendrier, ça me rend fou. Je sais que ça peut paraître injuste, mais il faut bien fixer un cadre, des lois. Sinon, chacun fait ce qu'il veut. Oui, mais Maïva et sa mère, c'est pas des squatteuses. Elles essayent pas de gruger le système, elles veulent... bah, seulement rester chez elles, quoi. Je sais, chérie. Bah, sûrement la merde et la justice s'en tapent. Elle s'en tape pas, elle fait son travail. Ah, parce que tu trouves ça normal, toi. Elles sont expulsées juste pour une histoire de délai dépassé et tu trouves pas ça inhumain, toi. Écoute, Robin, si je pouvais, j'aiderais ton amie. Ouais, c'est ça. Ah si, vraiment. Je t'assure. Et ça, même si... Même si quoi? Ça va pas te plaire. La mère de Maëva a un peu merdé, quand même. Genre, c'est sa faute. Bah, c'est pas toi qui m'as dit qu'elle avait un tiroir rempli de lettres d'huissier et de relance qu'elle ouvrait pas? Et c'est pas toi qui m'as parlé, justement, des gens qui ont une phobie administrative ou je ne sais trop quoi? Oui, enfin, j'ai dit ça comme une hypothèse. Enfin, c'était pas une affirmation. Et je t'ai aussi parlé du déni, de la politique de l'autruche. Mais tu penses qu'elle mérite ce qui leur arrive? Mais pas du tout! Écoute, je réponds juste à ton histoire de délai. Là, pour le coup, c'est pas la justice qui est en cause. Et maman, il va se passer quoi si elles quittent pas leur appart? Malheureusement, elles ont pas le choix. Si elles refusent de partir, la police interviendra. Mais c'est pas possible, je suis sûr qu'il y a une solution. Non, je sais pas, faut lui en parler d'abord, ça c'est sûr. Bah oui, déjà. Oui, mais il faut que ce soit solide entre nous. Ouais. Il se passe quoi? Bon, en fait, le père de Louis ne pourra pas écrire l'article sur l'expulsion. Apparemment, c'est pas assez intéressant pour son journal. C'est trop banal, quoi. Trop banal? Sérieux? Malheureusement, ça arrive tous les jours à plein de gens. Ok. Bon, bah, merci d'avoir essayé. Je vais devenir SDF, les gars. Mais non. Mais j'ai une autre idée. Et on était en train d'en parler, justement. Attends, mais c'est pas sûr que ça marche, hein. Oui. Mais en fait, j'ai lu sur Internet que s'il y a trop de monde dans l'appartement le jour de l'expulsion, la police peut pas intervenir. Donc, si on arrive à rameuter le plus de monde possible, là, la police pourra pas nous virer. Il y aura encore plus de flics. Ouais, il a raison, en fait, ça fait juste reporter le problème. Non, mais s'il y a une vraie mobilisation, là, à ce moment-là, ça intéressera les médias. Bah non. Qu'est-ce que ça changera? Les propriétaires, ils ont la loi pour nous. Mais si on fait le buzz, ça leur mettra la pression. Et peut-être qu'ils vont annuler l'expulsion. Ou que ça créera un élan de solidarité, ou je sais pas, quelque chose. Oui, puis il y a un mec super riche qui va leur donner un appart, c'est ça? Mais grave. Non, mais ça se tente, non? Vous avez une meilleure idée, vous? Non, mais concrètement, on fait quoi? On s'enchaîne à la porte d'entrée, c'est ça le délire? Un sit-in dans le salon. Un sit-in? Mais attends, t'as pas peur que ça dégénère, ça? Un sit-in, c'est pacifique. On fait rien de mal. Ok, Maëva, t'en penses quoi? C'est toi qui décides. Je trouve que c'est une super idée. Voilà! Ok. Par contre, faut convaincre ma mère. Bon, ça y est. Les statuts de l'association sont enfin rédigés. On va commencer à pouvoir chercher des fonds. Je suis trop contente. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Ouais, mais avec le carnet d'adresse de Claudine et la niaque du Ludo... Franchement, je suis pas inquiète. Je suis sûre qu'on va trouver des gens prêts à croire en ce projet. Non, mais t'as raison, hein. Je me prends les choses en main. Surtout s'il y a des tensions au cabinet. C'est bien que tu sortes un peu ton épingle du jeu. Oui, c'est sûr, mais bon, c'est pas non plus ma seule motivation, hein. T'en me dis pas que tu t'intéresses vraiment à l'écologie. Mais pour qui tu me prends, en fait? Une fille carriériste? Superficielle? Préoccupée uniquement par ses intérêts, c'est ça? Eh ben non, figure-toi que je m'inquiète pour la planète aussi. Qui êtes-vous? Rendez immédiatement ce téléphone à Margot ou j'appelle la police? Oui, bon bah, c'est sûr que je pense à ma relation avec Ludo aussi. Ah, quand même. Bon bah, je me disais aussi...
Il est super engagé, donc créer cette association, ça va me permettre de me rapprocher de lui et de mieux le comprendre. Moi, si c'est pas mignon, c'est pour quand le mariage? Ouais, tu peux dire à mon beauf d'arrêter d'écouter au port, s'il te plaît. Bon, bah écoute, tu nous laisses, hein, parce qu'on va parler plan de table et dragée. Passionnant. Non mais arrêtez tout de suite, là, vous délirez. Le mariage, c'est jamais de la vie, d'accord? En revanche, je veux bien qu'on parle du premier don que vous allez faire à l'association. Oula, je suis en retard, moi. Ah ben voilà, dès qu'il s'agit de sortir le chéquier, il n'y a plus personne, hein. Tu t'es carrément fait sucrer tes vacances, quoi. Voilà, c'est ça. Et t'es pas dégoûté? Ah si, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'était hyper important pour Noémie de créer cet assaut. Puis elle a fait un effort. Elle a refusé le poste de présidente. Ouais, bon, enfin, vu comment elle est engagée, présidente ou pas, à mon avis, elle va se donner à fond. Oui, non, mais je sais que ça va pas changer grand-chose, mais bon, elle a fait un geste. J'apprécie. Et j'ai pas envie qu'on s'embrouille à cause de ça. Et tu t'es fait dompter, quoi. Mais pas du tout. Je l'aime, et en amour, on fait des concessions, c'est tout. Ouais, bah moi, je te jure, on m'enlève mes vacances, je deviens agressive direct. Eh bah, pour moi, le plus important, c'est d'être avec elle. Le reste, je m'en fous. Bon, bah, j'imagine que je te propose pas de venir en Bretagne avec nous, alors. Ah non, sans façon, merci. Je vais te laisser avec ta copine et ta fille, vous allez aller à la pêche aux moules, vous allez vous amuser. C'est parce que tu rates. Tu me raconteras. Donc, monsieur le président, c'est officiel. Vous pouvez déposer en ligne votre dossier d'association Terre d'écologie Septimanie. Ah, d'accord. Les statuts sont déjà en ligne. Oui, je les ai rédigés moi-même. Ils n'attendent plus qu'un clic. Très bien. J'ai un petit peu le trac. J'imagine que c'est normal. Bah oui, c'est normal. C'est le début d'une nouvelle aventure. Et la seconde bonne nouvelle, Maître Cabestan m'a mis en relation avec la Fondation Marseillaise pour la nature et l'environnement et ils sont prêts à labelliser votre association. Ok, super. Bon, bah, ça va nous faire gagner beaucoup de temps. Mmh. Ouais, ça va vraiment nous aider pour le lancement des opérations. Donc voilà, maintenant, il vous reste plus qu'à vous mettre au travail. Oui. Bien écoutez, nous déjà, on a commencé à plancher sur des idées de projet. Puis on va préparer un dossier béton pour la fondation, hein. Super. J'attends de vos nouvelles. Oui. Avec Maïva, on a bien réfléchi et on a tout planifié. On va monter la garde ici pour qu'il y ait toujours quelqu'un chez vous la journée. On sait que les filles qui pourront pas venir la nuit. Mmh. Et on va aussi créer un groupe de messagerie en ligne, comme ça on peut rassembler le plus de volontaires possible. Mais vous allez les trouver où, ces volontaires? On va mobiliser un max de monde. Les amis, les potes, tout le monde. Comme ça, dès que la police arrivera, ceux qui montent la garde, ils peuvent prévenir les autres pour qu'on rassemble tout le monde ici. Et là, plus personne bouge. Et si on est 20 ou 30, les flics, ils seront obligés de lâcher l'affaire. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Je suis pas sûre que ce soit légal de faire ça. Non, mais on fera rien de mal. On sera juste assis ici en signe de protestation. Et ça, c'est pas illégal. Mais vous êtes sûr que ça va pas empirer les choses? Franchement, maman, vu la merde dans laquelle on est, ça peut pas être pire, non? Moi, j'en ai marre de subir. Je veux me battre. Et il y a des gens qui sont prêts à se battre avec nous. Ensemble, on sera plus forts. Bon, je vais y réfléchir. Il faut que j'aille bosser, là. Je vais être en retard. Il faudrait pas qu'en plus, je perde mon boulot. On y arrivera. On a un plan de ouf. Ouais. Et donc, via l'association, on pourrait soutenir financièrement des projets de reconversion d'agriculteurs vers le bio. Tu nous vois venir? Vous voulez aider mon père? Ouais. Ben, faut qu'il accepte, hein. En fait, on aimerait que l'exploitation viticole de William soit notre premier projet soutenu officiellement. Mais ce serait génial. Oui. Ben, c'est carrément trop beau pour être vrai. Qu'est-ce que c'est qui serait trop beau? Vous faites une très bonne opération. Ben écoutez, j'espère bien. En tout cas, sur le papier, ça a l'air d'être un investissement plus que rentable. Tout à fait. Tenez, Madame Bastide, je vous invite à paraffer et à signer à la fin. Ah, mademoiselle, je tenais à vous féliciter pour votre initiative en faveur de l'environnement. Maître Becker m'a un petit peu parlé de votre projet d'association. Vous avez beaucoup de chance de l'avoir, hein. Merci, c'est gentil. Non, venant de moi, c'est absolument pas de la gentillesse. C'est simplement mon instinct qui me fait dire que vous avez vu juste. Eh bien, écoutez, j'espère que vous ne vous trompez pas. Je me trompe rarement. Bravo, en tout cas. Merci. Vous aussi, vous avez vu juste en investissant dans cette foncière.
Elle a une stratégie d'action imparable. Je pense que vous ne le regretterez pas. Mais je sais que le secteur est en plein essor, donc effectivement, je pense ne pas faire d'erreur en investissant dans la pierre. Montpellier est une ville très attractive et de plus en plus de gens cherchent à s'y loger. Et si je peux faire en sorte qu'il le soit décemment, j'en suis ravie. Allons-y. Mais puisqu'on vous dit qu'il n'y a aucune arnaque, personne n'essaie de vous piéger. Au contraire. Ah non, on est là pour vous aider, William. C'est un soutien à long terme qu'on vous propose, là. C'est une chance de dingue, papa, faut la saisir. L'association va vraiment vous aider à stabiliser vos finances toute la durée de la transition. Alors bien sûr, vous allez avoir quelques pertes en termes de production à cause de l'arrêt des pesticides, mais une fois que vous serez lancé, on sera là pour parer aux fluctuations du marché. Mais oui, en plus, on est soutenu par une fondation. Enfin, c'est du sérieux, là. Non, non, j'y crois pas, non. Mais je comprends pas ce qui vous bloque, en fait. Je sais pas, il y a peut-être des choses que vous comprenez pas. Vous avez peut-être des questions. Ça va, hein. Je suis pas complètement débile, j'ai compris, hein. Juste, je trouve ça louche qu'un inconnu vous file de l'oseille comme ça, gratos. Oui, mais en contrepartie, les participants vont pouvoir défiscaliser leurs dons. Ouais, et moi, qu'est-ce que je devrais faire? Sourire sur les photos, c'est tout. Ah, parce qu'en plus, faudra que je fasse le guignol sur les photos. Mais comment ça? En plus, c'est tout ce qu'on vous demande. L'association va s'occuper d'animer des comptes sur les réseaux sociaux au nom du domaine. Il faudra juste leur donner un peu de contenu pour qu'ils puissent communiquer, c'est tout. Non, j'ai pas envie de gérer ces conneries d'Internet, moi. Il comprend pas ce qu'on lui dit, en fait. Puisqu'on vous dit que c'est nous qui allons nous en occuper, William. C'est eux qui vont le faire, papa, pas toi. On vous demande juste d'ouvrir votre domaine de temps en temps pour que les donateurs puissent voir à quoi ils contribuent, puis faire une ou deux photos de temps en temps. Sur lesquelles il faudra sourire. Juste pour parler de l'association, c'est tout. C'est tout bénef pour toi, papa. Non, 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 non. J'ai pas envie de serrer des mains à des comptes sur les photos, hein. Puis j'aime pas trop comment il me parle, moi, lui. Il me rend dingue. Sérieusement, qu'est-ce qu'il te faut de plus? Là, on parle de plusieurs années de soutien financier. Tu sais, les aides de la PAC, elles sont pas éternelles. Hein. C'est un vrai relais que te propose l'asso. Bah, écoute, tout ça, c'est trop compliqué pour moi. Hein. Mais papa, on parle de salaire, là. C'est pas compliqué à comprendre. Le soutien de l'asso, c'est la garantie d'un salaire, voilà. Bon, déjà, tu baisses d'un ton. Je vois venir avec toutes vos grandes phrases, là, vos théories, là, vos donateurs et compagnie. Je suis pas influenceur, moi, j'anime pas les soirées de l'ambassadeur. J'ai un vrai métier, c'est la terre. Ça, c'est concret, ça, tu comprends? Ah, tu veux du concret? Bah, ok, très bien. Tu veux qu'on compte le nombre de tes potes qui sont malades, à force d'avoir passé leur vie à faire de l'épandage? On a toujours fonctionné comme ça. Bah et alors? C'est pas une raison pour pas changer. Et si tu le fais pas pour toi, fais-le au moins pour moi. Moi, j'ai pas envie de choper un cancer à cause des pesticides. J'ai pas envie de donner de la merde aux consommateurs. Moi, j'ai envie de participer au changement. De protéger la planète sur laquelle je vis. Toi, tu t'en fous peut-être, hein. Mais pas moi. T'es à fond, hein? Bah ouais. Parce que c'est important. Et j'ai besoin que pour une fois dans ta vie, t'arrêtes de te comporter comme un ours et que tu me fasses confiance. C'est bon. J'ai compris. Je m'occuperai de tout. T'as juste à dire oui. Et à sourire sur une photo de temps en temps, mais bon, ça va. Tu devrais survivre, non? Mmh. Ok. Oui? Oui, bonjour, c'est Maëva. Ah, Maëva, tout va bien? Oui, je suis désolée de vous déranger, mais voilà, je suis dans la merde et j'ai besoin de votre aide. Je t'écoute. Ma mère et moi, on va se faire expulser et on va se retrouver à la rue. Ouais, je sais, on en a parlé. Lucien va revenir avec les flics, mais on va pas se laisser faire. Du coup, l'idée, c'est d'organiser un sitting avec le plus de personnes possible pour empêcher l'expulsion. On aura besoin de volontaires aussi pour monter la garde et donner l'alerte quand les flics arriveront. Et on va créer une messagerie en ligne aussi pour prévenir tous les autres le jour J. Je sais que c'est chaud ce que je vous demande et je comprendrai si vous... Non, non, tu peux compter sur moi. J'en serai. C'est vrai? Ok, merci. Et bah, je vous rajoute sur le groupe alors. Merci, madame. Y a un problème? Non, c'est une élève à moi, Maëva. Maëva, c'est la petite qui va être graffeuse, non? Ouais, c'est elle. Elle en est où de son concours?
Tu sais que j'ai fait passer le lien au commissariat? Tous les gars ont voté pour elle. Elle est super douée, cette fille. Bah ouais, c'est pour ça qu'elle a besoin qu'on l'aide. Bah c'est ce que tu fais, non? Ouais. Oui, mais je trouve qu'on tend pas assez la main aux gamins issus de milieux défavorisés, tu vois. Ils n'ont pas du tout dans la vie les mêmes chances que d'autres qui grandissent dans des familles aisées. Et... quoi? Rien. Franchement, si un jour tu rentres en politique, je vote pour toi. Pff, t'es con. Non, mais c'est juste que... c'est juste que t'es une super prof qui s'occupe très bien de ses élèves. Moi, je trouve ça génial. Viens. Ouais, j'arrive. Et mon Rémi, oui, tu peux m'apporter la clé, là, s'il te plaît? Ok. Allez, merci. Alors, ça s'est très mal passé chez William? J'ai jamais vu quelqu'un d'aussi buté, quoi. Il veut rien entendre. On dirait qu'il le fait exprès. Ah ouais, j'ai perdu 10 ans de vie à essayer de le convaincre. Le mec, tu pourrais lui proposer une valise de billets qu'il trouverait le moyen de refuser, quoi. Quoi, bah oui, toi, évidemment, ça te fait marrer. Ah ouais, ça me fait marrer, moi. Quand les gens veulent pas de votre argent, ah, je me marre, je me marre. Et mais c'est pas de l'argent sale, en fait, hein. Bah t'écoutez, j'ai l'impression qu'on est les grands méchants greenwashers. Non mais c'est vrai, t'as raison. Franchement, je comprends pas pourquoi les gens, tu sais, ils font pas la queue pour leur demander, les supplier de les aider. Ouais. Tu comprends, toi? Non, pas du tout. Non, personne comprend. De toute façon, c'est pas parce que William a dit non qu'on va pas soutenir d'autres projets. Hein. Tu sais, cette asso, c'est une vraie opportunité, en fait. Et je suis sûr qu'il y a plein d'agriculteurs qui vont bien profiter, tu vois. Ah, il y en a plein. Il y a la terre entière qui va en profiter. Oui, Elodie? Mon père a dit oui. Mais non. Attends, il était tellement fermé tout à l'heure. Ouais, mais je l'ai pas lâché. Ça a pas été facile, mais il a enfin ouvert un peu ses chakras. C'est génial. Trop bonne nouvelle. Merci de m'avoir prévenue. William est d'accord pour travailler avec nous. Mais non. Mmh. Ah, bah quand même. Bon, non, tu veux peut-être commencer à faire la queue? Tu te marres. Ok, c'est marrant. Ah ouais. Et de toute façon, je vais vous dire, moi, j'ai jamais perdu espoir. Allez. Je savais. Je savais. Tenez, Margot. J'ai une bonne nouvelle pour vous. J'ai parlé de votre association à certains de mes clients, et ça m'a étonnée, mais ça a pris tout de suite. C'est fou, hein? Les gens sont concernés par l'avenir de la planète. Tant mieux. Vous pensez qu'ils sont sérieux? Ah ben oui, oui, oui. Ils parlaient même de chiffres avec plusieurs zéros. Donc maintenant, c'est à nous de les convaincre de sortir leur portefeuille. Eh ben, écoutez, ça tombe très bien, parce qu'on a déjà 2 projets qui pourraient voir le jour assez rapidement. Ah ben, parfait. Il faut en profiter tant qu'ils sont chauds. Oui. Alors, le premier projet, en termes d'impact, le plus important, c'est un projet de dépollution de toute une zone infestée au mercure. Il s'agit d'une ancienne usine qui a fermé et qui a laissé les sols en l'état. C'est une catastrophe pour les nappes phréatiques. Les cours d'eau aux alentours sont atteints, la faune et la flore complètement dévastées. Bref, l'idée, ce serait de financer la dépollution des sols et de... C'est horrible, votre histoire. Non, il manque plus que les zombies et on est dans un tableau apocalyptique. Non? Vous avez pas quelque chose de plus glamour? Glamour? Oui, qui donne envie. Parce que là, c'est déprimant, votre truc. Bah, c'est la réalité des urgences écologiques. Ah oui, mais là, ça va les rebuter, hein. C'est quoi votre deuxième projet? Un agriculteur qui envisage de se convertir au bio. Il a un domaine viticole pas très loin de la ville. Ah bah voilà. On va organiser une visite dans le domaine et une dégustation au milieu des vignes. On peut même faire appel à un quatuor à cordes. Ah oui, voilà, là ça devient bucolique. Les clients vont être sous le charme. Oui, bah oui, on peut organiser ça, ouais. Et les typiques, le vigneron? On peut difficilement faire plus typique. Ok, parfait. Assis, Tine, sérieux. Tu trouves que c'est une mauvaise idée? On va gagner 1 ou 2 semaines, et ça va pas régler le problème. Mais je sais, mais ils étaient tellement à fond, qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Les mettre face à la réalité, il faut partir. Maëva veut pas se laisser faire, et je veux lui montrer que je la soutiens. Moi aussi, je te soutiens, tu le sais très bien. Heureusement que je vous ai tous les deux. Si j'étais seule à affronter ça, je sais pas comment je ferais. Mais tu m'empêcheras pas de penser qu'on ferait mieux de partir sans faire d'histoire. Mais partir pour aller où? Moi, je me débrouillerai toujours. Et toi, avec une ado, t'auras forcément un logement social. Je veux pas décevoir ma fille encore une fois, tu comprends? Je veux lui montrer que je suis prête à me battre pour elle.